Good morning, allez, je suis aujourd'hui le Nishma Trava Mordechai Ben Yitzhak Vefani, Lorléa Bat Beila, Armand Amram Ben Sulika et Shalom Ben Chbiba. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions à Sérati Vavot Perigbet, Mishnah Alef, Keitzad et Shatachim Shaloria Beolamo. Shne Achin ou Met Achad Me'em, Nolad Lain Ach, Lachakar, Ibem Acheni et Eshet Achiv. Va Met, Arishona Yotzet Mishum Eshet Achiv Shaloria Beolamo, Va Shnia Mishum Tsarata. Un sujet dans notre Mishnah, entre parenthèses, pour la Mishnah de demain, on aura exactement la même chose avec une petite nuance afin d'aboutir à une petite machloket avec Rabbi Shimon. Pour le moment, je présente le cas d'abord à l'oral. On va parler de trois frères, mais trois frères qui ne se rencontrent pas dans un même monde. C'est-à-dire, il y avait deux grands frères, Reuven et Shimon. Et Reuven, il était déjà marié, il n'avait pas encore d'enfant. Et malheureusement, Reuven est décédé. Shimon, maintenant, donc la femme de Reuven, elle va être préposée au hiboum devant Shimon. Entre-temps, jusqu'à qu'il fasse le hiboum ou pas, la mère de Reuven et Shimon, elle a eu un petit garçon qui s'appelle Lévi. Donc il y a maintenant un troisième frère. Lévi, il n'a jamais rencontré Reuven de sa vie. Il est né après coup. Et donc il a même une belle sœur sur Terre, qui est une Yevama en ce moment, qui attend qu'on lui fasse le hiboum, mais lui il vient de naître. Ça s'appelle Eshet Achiv Shelo Aya Beolam, entre parenthèses. Je connais un cas de mon quartier un peu plus haut, quoi, avec le terrible accident de Méron, il y avait un jeune marié qui est décédé, et ça, il n'a pas mérité d'avoir des enfants, le pauvre. Et du coup, il y a eu récemment, ils ont fait la Khalitsa, la belle-sœur, il y a 2 mois, quoi. Je ne sais pas si entre-temps sa mère l'a eu quand elle a accouché un garçon, mais le cas, vous imaginez que le cas il aurait pu se présenter, étant donné que c'était le grand frère de la fratrie, et bon, prochaine chez la famille religieuse, même quand le grand frère se marie, la maman continue encore à avoir des enfants, on dit à Inara. Donc du coup, le cas pourrait se produire, vous imaginez la situation, d'accord? Donc je recommence, on a Reuven Shimon et Lévi qui vient de naître quand Reuven il était déjà décédé. Alors, ça s'appelle Eshet Achiv Sheloya Beolamo. La Torah elle a dit Ki Yeshvu Achim Yachdav. Quand les frères s'asseront ensemble. La Torah insiste bien en nous disant Va mettre Echad Mehem, et il y en a un qui est décédé, et ou Ben Enlo, Azlot et Chatamet Akosa, et va mettre Voilà, et la Kralolisha, ou le Kachalolisha, je crois plutôt. Et donc, qui est Chevou Achim Yachdav, la Torah a introduit la mise du boum que les frères étaient assis ensemble. Ils savaient boire un café ensemble, ils se connaissaient, ils se sont rencontrés sur Terre. Pas que un il est décédé, et seulement après l'autre il est né. Donc, si le frère, le petit frère maintenant, le petit Lévi qui vient de naître, il n'a jamais rencontré Reuven, Lévi n'a pas le droit de faire le hiboum à sa belle-sœur. Ok? Pour le moment, c'est clair? C'est la donnée essentielle qu'on va avoir. On va maintenant la manipuler dans sous plusieurs aspects. Ça va être le sujet de la Mishnah Aleph et Mishnah Bet. Ça, c'est le principe clair. Maintenant, autre situation. Bon, Lévi, il est né pendant les Shiva de son frère Reuven. 3 mois après, parce qu'il faut attendre 3 mois. Pour faire le hiboum ou la khalitsa, on attend 3 mois depuis le décès du frère, pour être sûr que la mère n'est pas enceinte, la femme n'est pas enceinte. 3 mois après, Shimon se marie avec elle. Il fait la mitzvah de hiboum. Maintenant, Shimon, après ça, il avait une deuxième femme. Il avait une deuxième femme, donc maintenant, il a maintenant 2 femmes. Or, Shimon décède ensuite, le pauvre, sans enfant, Chas v'shalom, qui n'est plus de Méron, mais d'accord, il a eu aussi un accident de voiture, il décède, sans enfant, il a 2 femmes devant lui, maintenant Lévi, il a 2 femmes devant lui. Il a une qui était la première femme de Reuven, mais qu'il n'avait pas le droit de se marier avec elle en aucun cas, parce qu'ils n'étaient pas ensemble. Mais maintenant, elle est passée par chez Shimon. En théorie, non, je ne vais pas compliquer l'histoire. Dommage que je n'ai pas un peu plus compliqué l'histoire depuis le début, mais maintenant je ne vais plus la mélanger. Je reste avec cette histoire. En théorie, Lévi maintenant, il se retrouve avec maintenant les 2 femmes de Shimon, dont l'une d'entre elles, c'est aussi la femme de Reuven. La Michelle va me dire, mais tu sais quoi? Puisque lorsque Lévi est né, il n'avait pas le droit de faire le hiboum à la femme de Reuven, même lorsque Shimon se marie avec elle et qu'après elles vont être préposées toutes les deux au hiboum, puisque Lévi n'a pas le droit de se marier avec la femme initialement de Reuven, eh bien, il va communiquer son interdit à sa co-épouse de Shimon, à la femme de la femme de Shimon authentique. D'accord? Vous avez compris le principe? On fait tout ça dans les mots. Keitzad Eshet Achiv Shelo Haya Beolamo. Comment se présente le cas de Eshet Achiv, la femme de son frère, Shelo Haya Beolamo?
qui n'étaient pas dans le même monde. Parce que si vous vous souvenez, dans la Mishnah super compliquée, là, super longue, la première Mishnah, là-bas, où il y avait tous les 9 cas, les 15 cas plutôt, les 15 cas, 3, 3, 3, 3, et après, il y en a une qui s'appelait Eshet Achiv Shelo Hayah Be'olamo. D'accord? C'était la dernière, l'avant-dernière, la 14e. Eshet Achiv Shelo Hayah Be'olamo. Je vous avais dit, la Mishnah d'après, les Mishnah d'après, elles vont reprendre les cas, elles vont dire comment se présente le cas, de quoi on parle exactement. Donc la Mishnah nous dit, Keïsa Eshet Achiv Shelo Hayah Be'olamo, comment se présente le cas d'une la femme de son frère qui n'était pas dans un même monde avec lui. La Mishnah nous raconte, Shnei Achim avait deux frères, on a dit Reuven et Shimon. Umet Echad Mehem et Reuven, Lahmu, il est Niftar. Benolad Lain Ach, et entre temps, il y a eu un petit frère qui est né, un petit Lévi. Narakach Ibem Hacheni et Eshet Achiv. Et ensuite, Shimon, le deuxième, il a fait le hiboum à sa femme, Vamet. Et malheureusement, Shimon lui aussi est mort sans enfant. Harishona yotzet mishum eshet achiv shelo haya be'olamo. Maintenant, Shimon, il avait une, entre parenthèses sous-entendu, il avait une deuxième femme aussi en plus. Une femme à lui pure. Et alors maintenant, il y a ces deux femmes, cette femme de Shimon, plus la femme qui est initialement de Reuven, qui se retrouve maintenant toutes les deux devant Lévi. Eh bien, Harishona, la première, c'est-à-dire la première veuve, qui était la femme de Reuven, yotzet mishum eshet achiv shelo haya be'olamo, elle va être libérée parce que c'est la femme de son frère qui n'était pas dans un même monde. Parce que Lévi n'a jamais rencontré son frère, donc sa femme, la femme de Reuven, elle n'est pas proposée au hiboum pour lui. Vashnia est la deuxième, Mishum Tsarata, parce que ça va être ça. Tsara, c'est la co-épouse, comme on a dit, qu'une aide communique est interdite à l'autre. Ok? Voilà l'essentiel de la Mishnah. Maintenant, un petit détail un petit peu intéressant. Une notion qu'on n'a pas encore pas, on en reparlera très longuement, surtout au Perek Lévi, on en reparlera encore plus longuement. Plus on va avancer, c'est le Kiddushei Ma'amar. Kiddushei Ma'amar. Vous savez que pour moi, il y a une femme, normalement, on fait des Kiddushim, et après on se marie avec elle. Selon la Torah, on fait une acquisition de la femme, après on commence la vie de couple. C'est une deuxième étape. Aujourd'hui, on fait tout le même jour. Initialement, ça s'appelait les fiançailles et le mariage. Aujourd'hui, les fiançailles, ça n'a plus de sens, ça n'a plus rien. C'est juste... fait la fête, on boit les chaïms en même temps, on s'engage à peut-être donner à se marier une certaine date et tout ça, mais rien de plus. Initialement, on mariait la femme en lui donnant les kiddushin, c'est-à-dire que si ensuite, et après, elle repartait dormir chez son père. Maintenant, si elle avait un écart, elle partait avec quelqu'un d'autre, enfin, c'est la même misère parce qu'elle est déjà acquise à quelqu'un. Ça, c'est les kiddushin en général. Dans la Torah, d'abord, on acquiert la femme, après, on s'unit avec elle. Il y a kiddushin, vechoupa. Dans le yiboum, il n'y a pas de kiddushin. D'une certaine manière, si je peux dire, les Kiddushin, c'est le frère défunt qui les a déjà faits. Maintenant, la femme, elle appartient à tous les frères, à un frère de maintenant de continuer ce que le premier il n'a pas continué. Donc il n'y a pas de Kiddushin dans le Yiboum, il y a juste, il décide de faire le Yiboum, et ben il se marie, il s'unit avec elle, et c'est fini. Il acquiert, on apprendra même longuement, même si il y aura plein de cas exactement pour apprendre exactement quel type de biya, quel type de rapport il doit avoir avec elle quand il se marie avec elle. D'accord? Donc ça suffit de faire, juste d'avoir un rapport avec elle, et on l'acquiert comme ça. Cependant, pour plusieurs raisons qu'on découvrira plus tard, Rami m'ont instauré que tu ne te maries pas comme ça avec la Yéva. D'abord, on lui fait les Kiddushin, qui vont être connus que Midera Banan. Donc c'est comme si ça devient ta femme, mais en réalité, c'est pas sa femme. Ça ne sert à rien ce qu'elle a fait. Il n'acquiert pas avec ça. Mais on fait comme si. D'abord, on donne de l'argent, une bague. On va faire des kiddushin, des kiddushin ma'amar, c'est un sourire par même de faire les ma'amar, ok? Et ensuite, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle du ma'amar, en fait, le terme, la terminologie ma'amar, je ne sais pas pourquoi ça a été utilisé, il rapporte le Tifat Israël en bas, parce qu'en fait, il va lui dire la super phrase, à mettre le coup de chatelet. Il va faire les kiddushin où il va lui dire que tu es mec, un coup de chatelet à moi. C'est pour ça que ça s'appelle Ma'amar. Bon, on ferme la parenthèse. Donc il y a maintenant, donc les Chachamim ont instauré que tu le fais des Kiddushin Ma'amar. Une fois que tu as fait cette cérémonie-là des Kiddushin, ensuite, il s'unit avec elle et il fait le Iboum. Ok? Maintenant, il faut bien comprendre, c'est Kiddushin Ma'amar, c'est que Midera Banan. Donc maintenant, on reprend le cas avec le fameux Reuven et Shimon. Shimon, il a déjà une femme. Mais malgré tout, il va faire le Iboum avec sa belle-sœur, la femme de Reuven, qui n'a pas le droit d'être avec Lévi. Et maintenant, Shimon, il a juste donné la bague des Kiddushin, et le pauvre, débordement d'émotion, le cœur a lâché, il est mort lui aussi. Lévi, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Alors, en théorie, il a le droit de se marier avec le droit de faire le hiboum à la femme de Shimon. Et la femme de Reuven, qui n'a pas le droit de se marier avec elle, ça n'a jamais été
ni la sœur, ni la coépouse de la femme de Shimon. Malgré tout, puisque les Kiddushei Mahamar sont une forme d'acquérir Midera Banan, alors Ramiam on dit, tu sais quoi, on fait comme si c'est la femme de Shimon, et dans ce cas-là, Lévi n'a pas le droit de faire le hiboum à la femme de Shimon, mais il doit quand même lui faire la Khalitsa, parce que Minatora, c'est pas sa femme. En deux mots, la Mishnah me dit, Asaba Mahamar, s'il a fait, si Shimon, il a fait les Mahamar à la femme de Réhouven, à la veuve de Réhouven, il a fait les Kiddushei Mahamar, il a marié Midera Banan, Vamet, et le pauvre, il est mort, eh bien, Shnia, la deuxième, la femme de Shimon, la vraie femme de Shimon, il cholet cette velo mitiabemet, elle fera la chalitza, mais elle ne fera pas le hiboum. Ok? Parce que Midera Banan, on considère que c'est comme si il s'est déjà marié avec elle, et dans ce cas-là, elle va communiquer ça, son interdit, à la co-épouse de Shimon. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, c'est là.